Ready, don't you be afraid now. Welcome to the new stage. We can have it, everybody okay. Gotta turn a new page. Nowhere to go. Salut les Miss Happynote, donc aujourd'hui on reprend tout de suite la suite de nos aventures dans la maison du style. Et il y a Garance. Donc on va se diriger à la boutique. On n'a rien là. Donc on peut aller à la boutique. J'ai pas avancé hors vidéo, je n'ai pas eu le temps. Bon, on va aller voir Pauline. Alors, je voulais venir ce matin, mais j'ai eu un imprévu, vous savez comment c'est. Ouais, j'adore regarder les différentes tenues que les mannequins portent dans les magazines. Oh, faut qu'on fasse la tenue du mannequin. Oh purée, elle m'a fait penser, j'avais oublié. D'ailleurs, le loup féminin est mon préféré. J'aime cette impression qui me renvoie. Ouais, parce que je vous rappelle que la semaine passée, on a découvert la nouvelle marque. Et il faut absolument qu'on vende des trucs parce que c'est très cher. Pensez pour me donner... Ouais, une veste féminine. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai cliqué sur Lexi. Bon. Donc, une veste féminine. Oh, c'est bon, j'ai de quoi faire. Écoutez, on va lui proposer celle-ci, vu qu'elle a l'air de porter du noir. Ça me semble être pas mal. Ouais. Oui, oui. C'est cool d'avoir changé la chanson. Ça ressort bien, je trouve. Par contre, je trouve le son du jeu un peu fort. Je sais pas vous. Pourtant, il est super bas. Je peux pas le mettre plus bas. Je l'ai mis un peu plus bas. J'espère que ce sera un peu mieux. J'ai enfin trouvé quelque chose qui soit raffiné. Allez, j'achète. Bon, on va aller faire le mannequin. Sinon... Ah ouais, c'est justement le genre de choses que je voulais. Je m'approche petit à petit du look sophistiqué que j'aime tant. Merci beaucoup, Missa. Mais je pense que je vais venir plus souvent. On avait dit aussi que dans cet épisode, on lui changeait sa tête à mon perso. C'est vrai, je viens de m'en souvenir. Je l'habille et puis je vous fais voir la tenue, mais quoi qu'il arrive, ça va être avec la nouvelle marque. Comment elle s'appelle déjà? Eni. Marc. Inichen. Allez, je fais la tenue et je vous fais voir. Voilà ce que ça donne. Donc, je lui ai mis la nouvelle robe. Elle est magnifique, cette robe. Avec la veste qui va avec. Et j'ai changé la pose du mannequin. Et j'ai également changé sa coiffure. Je lui ai mis les cheveux longs, en fait, lâchés. Elle avait les cheveux attachés et je trouve que ça fait mieux comme ça. Voilà, ça c'est fait. Je vais encore encaisser un peu quelques clientes et après on ira lui changer sa petite bouille. On passe à Spider. Donc, ah mais ça faisait longtemps, j'ai complètement perdu la notion du temps. Ouais. Il m'arrive quelque chose de terrible. Oh, mon jean préféré est fichu l'une de mes... Ah, comme ça, quand ça m'arrive ça, que j'ai un de mes vêtements préférés qui... Il y a un trou qu'on peut pas recoudre. Tout. J'y rage tellement. J'aurais dû réfléchir avant de mettre toutes ces choses dedans. Je suis vraiment dévastée, mais ce qui est fait est fait. Je suis là pour m'en acheter un neuf. Vous pouvez me montrer vos jeans, s'il vous plaît. Ceux de couleur bleue sont mes préférés. Oui, ça, je crois qu'on a. Voilà, un jean slick, classique, basique. À 29 euros. Mais elle a plus un look à porter des trucs. Plus peut-être ça, un jean lacéré. Ce serait peut-être plus dans son style. Ouais. Ouais, je vais plus lui proposer ça. Ça m'a l'air plus dans son style. J'aime bien sa bouille à elle, avec ses cheveux et son bonnet. Je trouve que ça lui ressort bien. Bon, je trouve, après, je trouve que le look ne correspond pas à sa tête, mais sa tête, j'aime bien. Ouais, bientôt niveau 31. Ah, ça fait trop classe derrière nous, la vitrine. Une dernière et je passerai à la journée suivante. Ah, la journée est en fait terminée, fumi. Je suis épuisée, mais je me suis dit qu'un peu de shopping, me donnerait un petit coup de fouet. Je pense qu'une jupe orientale m'aiderait à me détendre. Vous pourriez m'aider, Missa. On va avoir ça. Oui.
Oui, c'est bon. Elle a l'air d'aimer le violet. J'ai rien de violet. Ah si, j'ai ça. Bon bah elle va aimer. C'est bien son... Elle aime le violet. On le voit sur elle, regardez. Bon, je pense que ça, elle devrait aimer. J'avais oublié comment c'était la musique de l'Oriental. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vendu. On va passer à la journée suivante. Et s'il se passe rien d'extraordinaire, on va pouvoir aller s'occuper de son visage. Je vous reprends parce que je viens juste de terminer le niveau 30. Et au moment où je voulais partir pour passer à la journée suivante, il y a Rosalie qui est rentrée. Donc, oh, vous tombez à pic, je venais justement vous chercher. Une voiture nous attend dehors. Ah, cool! Donc, ça veut dire on part en vacances. Ça y est, c'est une limousine, une vraie. Je n'avais jamais vu. Ah, oh, cool! Angélique l'a fait venir juste pour nous. Il est temps d'aller à l'aéroport, mais avant qu'on y aille, j'ai un tout petit service à vous demander. Vous pourriez me trouver des vêtements, s'il vous plaît. Je sais que je n'ai pas besoin d'en faire trop non plus, mais je me sens... Mais je veux juste me sentir à l'aise, vous voyez, et en même temps, j'aimerais quelque chose qui me corresponde. Vous pourriez me préparer une tenue à la fois classe et girly, s'il vous plaît. Ouh ! Classe et girly. Donc, girly... On est parti, comme d'hab, je vous fais la tenue et je vous montre ce que j'ai choisi. Donc je suis partie pour cette tenue, donc je lui ai mis un haut gris et blanc. Je lui ai mis une jupe en jean, je lui ai mis des chaussures blanches et noires pour rappeler le haut. Et toujours le sac blanc et noir pour rappeler et le haut et les chaussures, comme ça elle est toute accordée. Et je pense que ça devrait être pas mal. Je lui ai pas mis de veste, donc je lui ai pas mis de chapeau par conséquent. Mais ouais, je pense que ça peut être pas mal. Par contre, c'est pas coloré. Mais j'avais bien envie de l'avoir comme ça. Ouais, elle est mignonne. J'hésitais en fait, c'est juste le haut que j'hésitais. Mais si je changeais le haut, il fallait aussi que je change le sac. Moi, j'aime bien. C'est le plus important. Oh là là, c'est tout à fait mon style, merci, je suis plus si nerveuse à l'idée de revoir Angélique maintenant. Oh là, on est censé être déjà en route pour l'aéroport. Vous êtes prête à partir? Oui. Super. Oh, vous êtes toujours si organisée, j'aimerais être plus comme vous, pas du tout organisée. Bon, allons-y, j'ai hâte d'être dans ma limousine. Et une petite sauvegarde avant, ça aurait été bien. Et Rosalie, elle est bientôt... On a bientôt tout rempli, c'est clair, c'est cool. Oh, c'est trop bien fait, on voit l'aéroport. C'est trop stylé. Oh, trop beau, ça donne trop envie. Oh, comme c'est beau. Oh, regardez comme la mer est bleue, c'est magnifique tellement. Et votre tenue est fantastique, Angélique. Comme c'est Miss Agnew qui l'a créé, je me permets de dire que je suis bien d'accord. Au fait, mesdames, vous n'avez pas faim, moi je mangerai bien des fruits de mer. Pardon. Je nous ai loué un restaurant pour que nous puissions manger ce que nous... Elle a loué carrément le restaurant. Très bien. Elle a bien dit louer un restaurant. Ouais, c'est ça, pas réservé dans un restaurant. J'ai l'impression d'être une célébrité, non mais j'avoue. C'est... Waouh. La fille, elle fait, non, non, mais c'est pas une table, moi c'est le restaurant entier que je veux. Non mais please, enfin, faut se calmer quand même. C'est vrai, c'est super chic, ça me rend un peu nerveuse pour être honnête. C'est la première fois que je prends un repas avec vue sur la mer. C'est vrai, j'ai mangé en regardant des vaches, des chevaux, des oies, des chèvres, des moutons et toutes sortes d'animaux. Un peu trop rire, Rosalie. Mais jamais la mer. Des vaches? Ah, ça me rappelle que vous m'aviez offert une figurine de vache en souvenir. Oui. Oui, ma famille a une ferme et j'adore nos vaches chez moi qui devaient m'en occuper quand j'étais petite. Vraiment, c'est amusant. Moi aussi, je viens d'une famille d'agriculteurs. Oh. En fait, ma famille tient une ferme depuis l'époque de mon grand-père. Je sais, je l'ai lu dans un article de magazine. Ça fait vraiment la vraie fan. Hein. J'étais si heureuse d'apprendre que ça... Ouais, qu'ils avaient ça en commun. C'est même ce qui m'a fait écouter vos chansons au début pour tout vous dire. Très bien. Oui, vraiment. Quand même, quelqu'un comme vous qui a grandi à la ferme, qui devient une star accomplie, c'est comme un rêve. Et vous devez probablement être la plus grande diva de la planète. C'est très exagéré. Je suis toujours la même fille de la campagne. J'ai pas l'impression. Pardon. En vérité, je suis comme toi. Ah bon? Oui, mais ce n'est pas quelque chose que je peux aborder librement. Tout ce que je peux faire, c'est d'essayer de garder la tête haute, rester digne.
Une grande artiste chante d'abord avec une assurance avec son cœur, autrement dit, elle simule jusqu'à qu'elle devienne vraie. Alors il faut de l'assurance et du cœur? Pas juste pour les chanteurs, pour tous les métiers, il faut de la confiance en soi et de la passion pour réussir quelque chose. Je m'inquiète beaucoup de ne pas y arriver. Apparemment tu y arrives, c'est aussi le cas pour vous, non? Bien entendu. Oh vraiment, c'est incroyable, je n'avais jamais réalisé tout ce qui se passait dans votre métier. Ah ah, c'est la première fois que je parle de ça. Vous êtes spéciales toutes les deux. Je ne pense pas que ça vienne de moi, c'est surtout Missa qui m'inspire confiance. Oh, c'est gentil. Non, Rosalie, ça vaut pour vous aussi. Quelque chose chez vous incite les gens à être honnêtes. J'avoue, elle est trop choupinou. Et j'en doute, mais ça me fait plaisir que vous pensiez ça. C'est peut-être grâce à Meumeu et à Mimeu. Ce sont des bons amis à vous. Oui, mes meilleurs amis, Rubin. Je vois. Je change de sujet, mais j'ai entendu dire qu'il y allait avoir une fête sur cette plage. Ouh! Cela vous dirait qu'on se pomponne et qu'on y aille? Ah bah oui! Oui, ça serait chouette. Vous pourriez me préparer une tenue avec une robe habillée, je n'ai pas d'idée précise ce dont j'ai envie, je m'en remets. Ouh! D'accord, choisissez simplement ce qui vous plaît dans ma garde-robe. Trop bien! Donc une robe habillée pour danser. La tenue que je lui ai préparée, par contre, j'ai énormément hésité avec les chaussures. J'ai hésité entre elle et elle. Et il y avait une troisième paire et elle. Et au final, je vais peut-être partir pour elle. Il y a juste les chaussures, en fait, que j'ai longuement hésité. Ouais, donc peut-être que celles-ci, en fait, elles sont pas mal. Hein. Ouais, mais ça, je pense que ça peut vraiment lui aller au niveau de la tenue. Ah, les boucles d'oreilles, finalement, ça fait pas assez noir, je trouve. Ah non, en fait, ça ressort bien. Ouais, non, au final, je suis contente d'avoir changé les chaussures. Ça fait vraiment joli. Elle est belle comme ça. C'est tout simplement superbe, j'adore. C'est fabuleux, je dirais même parfait. C'est très beau, ça vous va très bien. On va relooker Rosalie aussi. Yes. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas amusant, je suis la seule à me pomponner. Oui! Quoi? Non, mais si! Mais si, je veux trop looker, je trouve des vêtements à mon goût, j'en achète. Mais c'est quand même, j'adore. Mais oui. Vous voulez dire que... Oui. Ah, mais elle l'habillait pareil. Ah, on a habillé toutes les trois pareil. Ah, très bien. J'aurais pas pensé, par contre, que les trois soient habillées pareil. Voilà ce que je veux dire. Oh. J'aurais bien voulu que ça soit un petit... Ouais, enfin, dans le même style, mais pas pareil toutes les trois. Je trouve ça un peu dommage. Voilà ce que je veux dire. Ouais, on est comme des jumelles, c'est super, Angélique. Alors, on y va? Vous venez aussi, Missa, n'est-ce pas? Cela fait longtemps que je n'ai pas été aussi impatiente à l'idée de sortir. Ah, elle est belle, cette photo, je l'aime bien. C'est joli avec le coucher de soleil comme ça. Alors, est-ce qu'on débloque des nouveaux trucs? Apparemment, non. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, des nouvelles têtes. Bon, maman, on a refusé ce fameux voyage qu'on parlait dans l'épisode précédent. Je vais juste sauvegarder. On va voir tout de suite le message. Ah bah, nouvelle coupe. Et Jade, comme quoi on a des nouveautés au salon de beauté. Ah bah voilà. C'est parfait, c'est ce que je voulais faire. Donc ça tombe très très bien. Par contre, j'ai aucune idée de quelle coiffure je vais lui mettre. Ou... Oh, ah, attendez, il se passe quoi? Ah bah, on va juste aller au parc. Ah oui, c'est vrai qu'on a relooké Octave, j'avais oublié. Bon Octave, quand vas-tu enfin nous livrer la chanson qu'on t'a commandée? Oh, eh bien, ce soir, parfait. Je savais qu'on avait eu raison de t'engager. Non, je voulais dire que ce soir, ça va être un peu impossible. Demain, ça me va aussi. Demain, c'est un peu probable, mais qu'est-ce qui lui arrive? Peut-être que je ne sais pas, je ne peux rien promettre. Quand alors? C'est le problème. On est à la merci d'une muse. Personne ne peut savoir quand l'inspiration va frapper. C'est un mystère. Bien sûr, je vois. Au final, j'ai été prise d'une fièvre acheteuse et j'ai dépensé tout mon salaire du mois pour des vêtements. C'est taré. tout ton salaire du mois, mais tu en avais vraiment envie, non? C'est normal que tu l'aies fait. Non mais tu es trop gentille, Talia. N'importe qui d'autre m'aurait dit que j'allais gaspiller mon argent. En fait, j'adore ta tenue. Ben, on a besoin d'argent pour vivre, en fait. On peut pas acheter des vêtements tout le temps dans la vie. Ça serait trop facile, sinon.
Ah ouais, eh bien, c'est toi et la gérante de la boutique qui me l'avait conseillé après tout. Qu'est-ce qu'il y a? La voilà, gérante de la boutique. C'est nous. C'est marrant de vous voir ici, Missa. Vous vous baladez, ça vous dit de vous joindre à nous? On va lui dire juste un instant. Ah ah! Allez! Vous pouvez bien rester un peu, plus qu'un instant. Nous parlions justement de vous. Je disais à Lucille que c'était vous qui m'aviez aidé. J'ai continué la phrase. Pas possible. Quoi encore? Mais vous avez vu le papillon qui vient de passer par là? Oui, pourquoi? Il est rare? Je crois que c'est... Attendez, je vais voir. Ok, vas-y, j'attends. Prends ton temps, hein? Eh, la fan des insectes. En fait, non, les papillons, c'est bien... Mais ton histoire de boutique, c'est beaucoup plus intéressant. Ah, je vais peut-être garder ça au bon plan pour moi. Allez, crache le morceau. Où est-ce que tu as acheté ces fameux vêtements? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste que tu as changé, je trouve. Et je le dis comme un compliment. Vous n'êtes pas d'accord, Missa? Quoi? Ah, je sais. Vu qu'on est toutes les trois ici, on pourrait prendre une photo souvenir ensemble, ça vous dit? Je suis partante. Et vous, Missa? Alors, c'est parti. Vous êtes prêtes? Ouais. Allez, tout le monde, où est Titi? J'adore leurs photos. Elles sont trop choupinots. Oh, regardez comme on est belles. Merci, Missa. Il faut vraiment que je passe dans votre boutique. Eh bien, moi, je compte y retourner dans pas très longtemps pour y aller ensemble. À la prochaine, Missa. Au final, on n'a pas su où est-ce qu'elle avait eu ses fringues, l'autre. Ah, ça, c'est les deux sœurs pour qui... C'est pas Octave qui écrit, c'est le copain d'Octave, si je me souviens bien. Mais c'est qu'il y a du monde aujourd'hui au parc, dis donc. Bonjour, Missa. On vient de donner un petit concert dans la rue. C'est dommage que vous ne soyez pas passé plus tôt, vous avez raté le chant en vous tendant à Samy. Mais ne vous en faites pas, nous rejouerons bientôt devant la gare. J'espère que vous viendrez nous voir. Bien sûr. Ça, c'est le boulanger. Et on va voir tout le monde. Oh, ma baguette, oh, ma belle. Je t'aime plus qu'une ficelle. Aucun pain à la hauteur de la texture de ta saveur. Là, dis d'un des dents. Ok, très bien. Ça, c'est Octave. La da 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 da. Place au cuit. Ba ba ba. Très bien. Ça va, Octave? Ça a l'air d'aller. Non, ça ne va pas. Ah non, bah, ça ne va pas. Finalement, ça ne va pas du tout. Je ferais mieux d'abandonner la musique et de me reconvertir. Je suis un raté. Oh là là. Pourquoi mes baguettes partent comme des petits pains alors que mes tableaux s'encoutrent dans mon atelier? Oh, je devrais peut-être peindre du pain, les ventes confleuraient comme un pain... Ah, oh, c'est ça, ma prochaine peinture sera une délicate et raffinée composition autour des produits de la boulangerie. Mais si je me trompais, si en vendant mes tableaux, mes ventes de pain retombaient... Oh là 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 là, ils sont toujours en train de se prendre la tête. Oh mon Dieu! Ils sont tous en train de se prendre la tête. On commence par quoi? On commence par le salon de coiffure? Ouais. J'ai tout sauté tout simplement parce que j'ai tout refait. Donc au niveau de sa coiffure, je lui ai mis les deux petites couettes sur le côté. C'est une coiffure que quand j'avais vu, j'avais beaucoup aimé. Je vous l'avais dit d'ailleurs que je pense que je finirais par lui la mettre. Ça la change beaucoup et c'est vrai quoi, là elle fait toute mignonne comme ça. Et au niveau de la tenue qu'elle porte, donc c'est Saphir qui me l'a créée. Donc merci à toi. Donc Saphir à qui j'avais présenté la boutique. Donc oui, ne vous inquiétez pas. Je présenterai de nouveau d'autres boutiques dans un épisode prochain, pas tout de suite, puisque comme je vous avais dit, je veux avancer l'histoire. Mais vu que tu as eu la gentillesse de me créer cette tenue et que ça change beaucoup, j'avais jamais pris de tenue comme ça, je me suis dit, allez go, elle est parfaite. En plus avec la tenue, je trouve que ça, avec la coiffure, ça ressort très très bien. Donc merci encore à toi. Je suis impatiente voilà, de voir comment va se dérouler la suite de l'histoire. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour la suite.